après-midi, alléluia, pour partager la vie, non? Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie cet après-midi d'être encore parmi vous et de partager ces quelque peu de pensées qui m'ont été transmises par notre Dieu. Amen. Amen. Si je posais la question à certains parmi nous, les deux âmes couleurs. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et nous connaissons ce que signifie la Pentecôte. Alléluia. Amen. Dans le langage hébraïque ou en hébreu, je peux le définir comme étant 50. Alléluia. Amen. Parce que si la Pentecôte que nous commémorons aujourd'hui, cette fête de la Pentecôte, ça nous dit tout simplement 7 semaines après la mort et après la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous regardons bien, depuis la Pâque, nous verrons que Outa Moukoloya Pâque, Tileloyo, ça fait 7 semaines. Vous pouvez les calculer. Ça fera 7 semaines. Et le 7 semaines, 7 fois 7, et il y a 7 jours de la semaine. 7 fois 7, ça fait 49. Plus le jour de Pâque, et ça, 50. C'est pour cela, dans le langage hébraïque, ou bien à qui hébreu, Babenga Kango, 50. Pourquoi ils ont 50? Parce que ils ont là qui, tant Oyo, en hébreu, ils commémoraient aussi le temps de la récolte. Ils donnaient leur prémices. Alléluia. Et ces prémices, je crois que Nakati Nabiso Toyebi, cette période, c'est la période de la récolte de Yanin, des fruits. Il fallait donner le prémices. Pour donner cette prémisse et ce prémisse-là, il fallait que Jésus-Christ y ait mon coup à mon acquis qu'il était le prémisse de la vie de, ce, de son peuple. C'est pour cela Ayaki Komi Tika Namaboko Yabasaline. Amen. Nous allons lire dans Acte 2, Acte des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 21e verset. Amen. Amen. On a évité Acte des Apôtres dans l'ingala. Nisala Bantoma. Amen. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Vous y êtes? Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns les autres et se posèrent des questions à chacun d'eux. Ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur est donné de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au prix qu'il y la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? » Perthes, Mèdes, Élamites, Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine des Cyrènes. Et ceux qui se sont venus de Rome, les Juifs, les prosélytes, les Crétois et les Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?
ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient d'eux en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais ceci qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. De jeunes gens auront des visions et de vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans les jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître les prodiges d'en haut et sur la terre dans le sang, du feu et de vapeur de la fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Dès ce jour grand, glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de la Pentecôte. En la regardant sur dans l'Évangile selon Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 21e verset, nous voyons ce que on nous explique. On nous dit quoi? Vers la conclusion, si nous regardons, il nous dit d'abord que c'est un jour glorieux et précieux. Pourquoi c'est un jour glorieux et précieux? Parce que c'est la Pentecôte. Comme je vous ai dit tantôt, cette Pentecôte qui signifie 50. Et pendant que cette Pentecôte signifie 50, cela veut dire 7 semaines après la Pâque. Et en faisant 7, fois 7, c'est 49, plus le jour de la Pâque, ça fait 50. C'est pour cela qu'en hébreu, Pentecôte signifie tout simplement 50. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne la Pentecôte, le peuple de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu est descendu. Tout au début, nous voyons, on nous dit que ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit. Lorsqu'ils ont vu ce bruit-là, c'était la venue de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il arrive, lorsqu'il se manifeste, il ne se manifeste pas en silence. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de timidité. Alléluia. C'est un esprit de force. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu ne doit pas avoir la timidité en lui. Cela veut dire quoi? Tant que vous avez un peu de temps, il y a un peu de temps pour se manifester. Au temps que vous selon un peu de temps, vous avez un peu de temps pour se manifester. Parce que yende mutakozala, azozo contrôle de tes pensées, azozo contrôle de tout ce que toi tu vas faire, contrôle ya oyonyo sokozala na posa kosala. Amen. Amen. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, tant wa kitela ki a kitela ki bao bazala ki sika moko, ils étaient à peu près 120. Et pour ces 120 personnes qui étaient ensemblées, qui commence la manifestation de l'Esprit Saint, les autres se disaient, l'ingénie batu oyo, azaï mon okomusus.
Mais quand il parle en langue, quand il prie en langue, ils ont concordé na maloba ya monoko mboka nanga. Et pas que Ezali eloko ya kosolo la tonini, mais en glorifiant Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est baptisé de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne monte pas contrôle ya monoko na biso. Yende muto akomaka koloba oyo ya lingi le merveille de Dieu. Ce n'est pas dire que ndenge tomonaka na ba église mususu entre guillemets, je ne suis pas là pour critiquer les églises. Okomona na mangomba mususu songolo, ils sont là pour apprendre les gens à prier en langue. Alléluia. Amen. Batangi saka muto koyé kola koloba na monoko na sikate. Yango okomona bazo ye kolisa yo loba boye ya kaka ba loba okomona na mangomba wana presque tous quand ils prient en langue ezalaka ka langage moko. Alléluia. Amen. Parce que ndeo batangisi bango. Amen. Amen. Mais pour ce qui concerne la manifestation de l'Esprit Saint, je crois tout à l'heure à tobande ko prier Esprit Saint bon mona ki ba oyo ba simba maki na Esprit Saint presque montona moto azalaki na façon ya esprit ya langue na ye oyo abandaki ko s'exprimer. Amen. Parce que ezalaki te ke oyo moto bazo tangisa yo loba boye, mais c'était l'Esprit lui-même qui enseignait, parce que yango to benga ka le meilleur enseignant. Alléluia. Amen. Et au jour de la Pentecôte, tant que moli mwana akitaki ayaki ko baptiser bango de l'Esprit. Il y a un peu de temps dans les langues de feu. Il y a un peu de temps que quand l'Esprit de Dieu est descendu, ils étaient en confusion les uns les autres. Comment est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que mais au moment où on a dit que tu as 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 dit que l'Esprit de Dieu glorifiait Dieu en parlant en langue. C'est pour cela que Bango Nyon surtout Bazala qui est dans l'étonnement. Mais parmi eux, Bazala qui est ce qu'on les appelle, entre guillemets, les incrédules. Pourquoi j'utilise ces mots? Baoyo, Ndimate que par la foi existe, par la foi, l'Esprit de Dieu peut descendre sur quelqu'un. Et tant que Bakoma qui commande Bango, Bazako prier en langue, Bakomi Koloba, non, ces gens-là, ils sont ivres de vin tout. Et Niki Koloba Nini. Tant que Bamoni Baninga Bazako Koloba na Monoko Songolo, Balobite, Oana, Bazane na Kwiti, Yamasanga, Bameli, Balangwe. Oh, et c'est qu'elle dit son to langue en démolimo et non que to langue en vin tout. Alléluia. Amen. Tant que Bango Bazalaki, Kokanise la Bango qui sont ivres de vin tout, Bible Zo, Yébisabiso que Pierre a solo la qui, Azalaki n'a les 11 autres apôtres, Barobakini, Bazoloba na kwitite, Ezaline na esprit entambé, parce que Tozali nano na troisième heure de la journée. Alléluia. Amen. Et vous connaissez la troisième heure de la journée, c'est quelle heure? Alléluia. Amen. La troisième heure de la journée, c'est 9 heures. Amen. Amen. Parce que pour eux, la première heure était considérée comme 7 heures. La deuxième heure, 8 heures. Et la troisième heure, 9 heures. Amen. Amen. Tant que Balobi que notre Bazalina nous la troisième heure de la journée. C'est pour cela. Bah, arabe, même dans leur langage, dans leur langue, pardon, pour signifier, pour exprimer, parce que le Swahili que nous connaissons est venu et soutiré de l'arabe. C'est pour cela, même dans la langue Swahili, on dit toujours 7 heures, on dit sa moya. Donc la première heure. 8 heures, on dit sa mbili. 9 heures, on dit sa tatu. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que
bakoka ki kondimate ke à partir de 9h mouto ko batu mouto moko te me lingoma ya batu bakoki ko zala na molangwa ya masanga. Pourquoi? Parce que ceux qui n'avaient pas reçu l'esprit de Dieu avaient des pensées négatives envers les autres. Ils pensaient à quoi? Ils pensaient qu'ils étaient ivres du vin doux. Or, ils n'étaient pas ivres. Bazala qui ne kolangwa moli monanzambe oya kota ki na kati na bango oya banda ki ko se manifester en parlant des langues nouvelles. Et pendant que bango bazolo ba langue nouvelle, batumusus o bazala ki rempli na moli monanate. Bakomaki kokanisa ndenge mususu. Alléluia. Amen. C'est comme dans nos églises actuelles. Pendant la manifestation de l'esprit, molimo atalaka ba oyo bazali sensible vis-à-vis na ye. Amen. Amen. Molimo ayaka to akitelaka n'importe qui te. Ou bien akitaka lokola momesanote. Akitaka quand tu lui trouves la sincérité du cœur. Quand tu trouves la sainteté de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela. Bamisusu awa, baswaki likanisi, o ezalaki, penza malamu mingite, ya kozwa, image ya vin tout, comment on a été, baninga balangwe nde masanga. Or, balangwa kinde mouli mona nzambe. Alléluia. Amen. La Pentecôte, nous voyons dans les jours de la Pentecôte, Ndenge Toye Bakayango depuis Bomwana, l'Esprit de Dieu est descendu. Il s'est manifesté comme une colonne de feu. Et Kita qui juste pour venir baptiser. Et Kita qui est baptisé Banani, le peuple de Dieu. Au Bazala qui dans un lieu en train de prier. Et Zala qui voilà Ndenge Tozali Awalelo, Tozo Sandela, et que c'était parmi ces 12 apôtres et les 12 disciples de Jésus, pardon, ils étaient là en train de prier Dieu et l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Pourquoi l'Esprit de Dieu s'est manifesté? Il s'est manifesté parce que lui-même Jésus-Christ, avant de Amata, il avait dit une chose très importante. Alléluia. Amen. Alors, il faut mieux que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un consolateur. L'Esprit de Dieu. Il fallait que atteigne la banque au Limouana, l'Esprit de Dieu, pour que Akomasiko se manifeste. Alléluia. Amen. Et tant que l'Esprit de Dieu wana, ayakiko se manifeste, ayakiko. Tangi sabango na munoko ya sika. Abandaki ko tangi sabango teke lelo kolo baboye. Bara afungo la ki mbala moko munoko na bango. Et l'esprit de Dieu a koma ki siko ko utilize. Maloba na ye, maloba an esprit. E komi ko bimasiko yo. Na minoko ya basali. Amen. Amen. C'est pour cela, chaque fois quand nous prions, to sengaka, oh bien aimé, soyez sensibles. Concentrez-vous, priez. C'est pour quelle raison Ezalaka juste pour osoir tant d'être en connexion avec Dieu. Parce que si vous voyez bien, ici même sur cette chair, nous sommes tous derrière la foi. Parce que sans la foi, beaucoup qui pour recevoir le rhéma de Dieu. Sans la foi, beaucoup qui condimenter que l'Esprit Saint existe. Amen. Parce que la parole de Dieu. Elle est nette et claire. Pendant que ce qui t'olobito tient notre intelligence physique, notre intelligence n'a dinga bomoto, esprit de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, na mayela bomoto, ce qu'on ne peut pas toucher, cela veut dire que c'est quelque chose qui peut-être n'existe pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas croire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir la foi. Et là, comme parce qu'on peut aussi bomoto, comme on a voté. Amen. Amen. C'est la même chose même avec Dieu, parce que Dieu, nous le connaissons. C'est par la foi que nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et à quoi qu'il peut en abisso, parce que la génération d'abisso, oui, je ne pense pas que quelqu'un a déjà vu Jésus, à moins que Jésus
à qui pour visiter personnellement. Alléluia. Amen. Mais c'est par la foi que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, comme la parole de Dieu nous dit. Et comme la parole de Dieu aussi nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père si ce n'est que passer par lui. Alléluia. Amen. Ce qui t'a awa la foi, t'a fait la connexion. Connexion à la t'a qui est là, pour la qui ça a été. Quand on est connecté avec l'Esprit de Dieu, il n'y aura plus de pont ni de barrières. Parce que, on se sent qu'on n'est pas naïf et qu'on transite directement. C'est comme si vous connectez fax Naïsika Oyo. Quelqu'un peut être en Singapour, a dit de le fax. Ça ne doit pas passer par-ci, par-là, non. Au même moment où il a cliqué, Kuna, auprès de toi ici, et bien, Niko Bima, amen. C'est ça qu'on appelle la connexion. Et cette connexion-là doit avoir deux choses. Quelles sont ces deux choses? Il y a le metteur et le transmetteur. Parce que Ozako transmettre, na oyo azako émettre. Parce que y a transmetteur ou à transmettre, bah donné pas na yo. Yo le ozana émetteur ou émettre yango. Amen. Pour que on recevoir, c'est ce qui a fait la connexion avec Dieu. Et ces gens ici, ceux qui priaient le vrai Dieu. Parce que là, qui est en connexion, en communion d'esprit avec lui. C'est pour cela, tant que Moli Monanza Makitaki, il s'est manifesté en eux. C'est pour cela, tout ça, à tout moment, tant que nous sommes toujours priés, tous là, en communion avec lui, tous là, en connexion avec lui, pour que, nous soyons dépannés, et comme la paix, biso. Amen. Amen. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Et cette vérité-là, c'est quoi? Vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que sans vous connaître la parole de Dieu, même la parole de et quoi franchir, c'est vous. Nalelo oyo, mon colonne à Pentecôte. Esprit de Dieu, dans Wikitaki. Tant que c'est manifesté qui, ça a été confondu avec l'ivresse. Ça a été confondu avec l'ivresse. On a pensé que le peuple de Dieu ou les disciples étaient ivres d'alcool ou de vin tout. Les loyaux, bien aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont pensé cela, c'était seulement les gens qui étaient ensemble avec eux. Alléluia. Amen. C'est comme aujourd'hui, il peut arriver que nous soyons à 50 ou à 100 dans une même église, et que lorsque se manifester, peut-être que l'Esprit de Dieu ne peut pas toucher les 50 au même moment. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Azalaka indépendant. A dépendaka na volonté na bisoté. Amen. Amen. Ne dépend que de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi a dépendaka na volonté de Dieu? C'est parce que volonté de Dieu est sauta là le cœur de tout un chacun de nous. Tant que tout ça pour ça, il peut arriver que Kingandi a prié en sincérité. L'autre a prié dans le superflu. Moussousou, il est là peut-être, malobessili a prié, a commis ce qu'on a donc baninga. Pendant que l'Esprit de Dieu a l'inga quitta, ne pensez pas qu'il a quitté la paix, oyazo donc baninga. Pourquoi? Parce que oyazo ta la baninga, peut-être qu'il n'est pas en connexion d'esprit avec lui. Tant que vous êtes en connexion, qu'est-ce que vous avez la fax? Batinde le baninga la fax, et vous ne comprenez pas dans le baninga. Parce que osa la connexion a été, c'est la même chose. Tant que osa linga osa la sensible na esprit en zambete. Pendant que ezali moment que non église elobi tosenga bolimbis. Tosengi bolimbis. Oh tosenga makila. Tant que tosenga makila peut-être oh raisonner nasa la facture moko il faut na foutre à Tony. Les histoires de factures,
Attends lorsque tu vas rentrer à la maison. Mais quand tu es devant le Dieu, décharge-toi de tout. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Pourquoi vous avez soin? Parce que Aïdike, yoye ko samelaye, osa la difficulté songolo. Azo zela, fungola monoko, tikelaye ni kumba na yo, et après cela, continuez nzela yaye nzambe. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le reste vous sera donné? Parce que tant que vous avez dit qu'il y a des préoccupations, c'est comme le bien-aimé de Tusangani Awa, Moko na Moko. Nandimite ki mususala na barabara mutron patiki ndaku na ye atiki ce qu'il pouvait voir tout ce qu'il pouvait faire ata la TV to internet to ceci cela aye kolukana nu le royaume des cieux tango ye koluka royaume des cieux na justice na ye vous ne savez pas que le reste la justice de Dieu vous sera donné par dessus tout parce que ye la parole de Dieu nous dit que il est le maître des temps et des circonstances. Il nous connaissait dès le sein de nos mères. Avant Togo Tamayeba Kibiso. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Pendant que ceux qui te tournent, Moko na Moko A, Moutou nous en a combien de souki? Moko Tahoyeba. Amen. Mais Yedambe Wano a yébina nombre à souki na yo. Oh, yoye ayeba yo banana no botamite. Ne pensez-vous pas que ayebe problème aux anango? Et ça va difficulté aux anango, que ce soit la difficulté financière, spirituelle ou bien n'importe quelle. Position. Ayez ma difficulté aux anamos. Mais c'est quoi? Azali toujours causé la osala le premièrement. Tant que sali le premièrement et le reste au se décharger par naïe, qu'est-ce qu'il fera? Il te donnera par-dessus tout. Ce qui totali, histoire il y a 12 disciples Oyo, Pierre dans les 11 autres. Quand ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, et bien là, qu'on s'est manifesté. Les loyaux, en tant que chrétien, l'Esprit de Dieu se manifeste dans la catinabiso. Toté. Parce que parfois, biso bananzambe, esprit en Zambé et se manifester dans la catinabiso. Nous voulons diriger l'Esprit de Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons. Or, et Sengeli ne tout tikaye esprit en Zambé, yende a dirigé biso. Et non biso to dirigé. C'est pour cela que ma disciple Oyo, comme ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, biso sou bakanisa ki ils étaient ivres. Mais en regardant le temps, Bamoni, est-ce que à 9h, 9h du matin, attends ce qui va te faire là, qui est 9h, ils appellent à mon côté, groupe, déjà 12 personnes, des acuités. Donc ils sont réellement remplis de l'esprit. Et tant que vous voyez comment on a, Nani a été rappelé que, et Zali, juste accomplissement de la parole de Dieu qui a été dite dans Joël, dans le livre de Joël 2:32, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, des jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Parce que, et si l'Obama qui déjà, l'Obama qui n'a pas dit dans mon livre, et quand il est arrivé le moment où il y a Tinda qui molimo, bien que Baninga Bakanisa qui Kezala qui kwiti, mais heureusement que Baoyo ba assista qui Jésus, ce qui était avec Jésus, Baeba qui non, il avait prévu que Akotinda molimo. Et quand ce qu'il avait prévu, et pour qui ça a sikoy, tant que Akotinda molimo, molimo pe akomi, pour se manifester. Amen. Amen. Et donc, il faut qu'on retenir en ce qui concerne la Pentecôte,
ezali nini. Dans la Pentecôte, nous voyons que ezalaki étape to ezali étape oyo ezako relier biso na kouta na Pâques et que molimo na Nzambe sikoyo aye ko se manifester parce que amonaki pasi oyo ba disciples bazalaki nango. Les disciples, ils pensaient oh notre Seigneur comme il est parti nous abandonner. Bien que ayaki ko bimela bango que non je suis déjà ressuscité parce qu'il ne peut plus avec eux. Alors pour accomplir la parole qui a été prédite par le prophète Joël, il fallait atteindre la bango sur l'Esprit Saint parce qu'à partir de l'Esprit Saint n'est esprit wana molimo wana il fallait qu'il soit akoma ko tambusa bango. Molimo wana sokonda akoma kisikoyo akoma ko diriger bango. Pour que bazala lisusu dirigé par leur propre pensée mais ba koma dirigé par l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Esprit ya Nzambe wana ezalaka lesika nini na kati na nzoto na bato. Amen. Amen. Esprit de Dieu to tokoki komituna esprit de Dieu ezalaka wapi? Esprit de Dieu ezali na kati ya nzoto ya moto. Parce que la parole de Dieu nous dit, si nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous l'avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Parce que ceux qui ça va nous aider, peuple de Dieu, pour pécher contre notre corps. Pourquoi? Parce que na oyo banekoto salaka, parce que je ne peux pas dire que bao ba salaka. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Hein? Amen. Oyo to salaka, le péché par exemple la débauche, ezalaka double péché. Amen. Hein? Amen. Pourquoi ton coco signifie un double péché? Parce que c'est un péché qu'on a péché contre l'autre, contre Dieu, et on a péché contre son propre corps. Tant que vous péchez contre Zotonayo, vous avez battu que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit aux Anakatinayo. Pourquoi cela? Parce que la demeure de l'Esprit Saint, ils ont dit la Katinanzotonabiso. Amen. Amen. Et tant que vous avez mis Zotouana, par exemple, dans la débauche, ton. Et le coyo, ils allaient digne na l'Esprit Saint. Cela veut dire l'Esprit Saint azalina azanayo, aux a ko amener peut-être manganda, soit na bar, soit na vitrine, soit na sikamo ko za ko se pelisa été, tu l'amènes aza condamné à kendena yo. Pourtant, aux a ko attristé l'Esprit Saint de Dieu. Parce que hier azo vanda na kati na biso. En ce jour de la Pentecôte, Seigneur Itoye Baete, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté en nous. Et cet esprit-là, nous ne devons pas l'attrister. Nous devons marcher avec cet esprit-là. Nous devons être en conformité avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ce qui est totali na souka, tokotanga Zacharie 4. Amen. Amen. Zacharie 4, verset 6. Amen. Amen. C'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel,
des armées. Amen. Amen. Et ça dit pour la Christianie, pour la cause, effusion du Saint-Esprit, par exemple, tout pour la Pentecôte, wana, oh, et ça là qui, les tous, bah, ça qui rempli de l'Esprit de Dieu, pour bah, ça là rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'est ni par leur force, ce n'est ni par leur puissance, que bah, là, pourquoi ça va tout au bout, bah, non. C'était par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel, par le Saint-Esprit de Dieu, dit l'Éternel est désarmé. Parce que Yemokomutu Atindaka. C'est pour cela, dans la prière, même dans les Tatamutuzala qui dans l'Église universelle, la prière est à notre Père, il y a quelque part, la Katikati, Balobaka, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Nous ne devons pas imposer Dieu. Nous devons, juste en priant, tout saigner ce que nous avons besoin. Et en conclusion, tout saigner la volonté de l'Esprit. Parce que nous, nous pouvons nous limiter que non, j'ai besoin seulement de 100 euros, peut-être que nous avons un peu de 40 euros, dans 60. Mais volonté, ce n'est pas de 100 euros, c'est de 1000 euros. Parce qu'il dit que non, à part qu'au foot, il y a encore autre chose qui t'attend. Peut-être que vous en arrêtez à mon point à loyer pour un mois, tous en élo comme sous Oyo, et ça dit meilleur pour Nayo. Mais lui qui connaît tout, a dit déjà qu'il te faut ceci. Mais il y a aussi peut-être en ce que toi tu vois. Mais le lendemain, le surlendemain, où il dit, mais lui qui connaît tout, il faut que toi sais que sa volonté soit faite. Parce que ce qui volonté n'est pas pour Salema, et pour Salema, pas selon. Ma pensée n'a pas mais selon ses pensées, et pourtant, Bible, les gens, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et puis, Bible, on a pas raison, il a formé des bons projets pour nous, projets de bonheur, et non de malheur. Parce qu'il y a le quoi, il y a projet de bonheur pour Nabiso. Et c'est même tout dit qu'il y a un maître Nabiso. Il y a un peu de diriger Nabiso. Il y a un peu de conduire Nabiso. Parce que tant que vous avez dirigé Nabiso, ça va conduire Nabiso. Tokozala toujours le même thé. Tokozala rempli dans mon lit, mon aïe. Parce que. Et si quand vous avez un lekaka, Aza l'okola, Niamo, Yotoyebi, Nakintasa, Ekonda. Si tu es bien connu. Ce qu'on a l'équipe, si Kassala Ganini, Atika Kaelembo. Amen. C'est comme notre Dieu. Quand il passe dans la vie de quelqu'un, Atika Kaina persuadé, Atika Kaelembo. C'est pour cela. Nabi Lembo, où il y a Atikaka, où il se manifeste. Et ça, nous voilà par l'effusion du Saint-Esprit. Tant qu'il y a l'équipe, Atikeli, on parlait en langue, par exemple. Et que, Bisika Moussou, Bazolouka, Yenanga, l'équipe, on a dit, mais Bazolouka, on le disait dans ma casse, qu'on s'en a dit, on 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 a même 80 personnes au Bazala Katina Lingomba, Bangonio, ce sont comme il y a, bon, nous prions en langue, Bangonio, ra, ra. Ma, kaka, pourtant, Bazali nanu, na ta oyo yen zambe, alobeli bango te, bango balingi bami lobisa bango moko. Alléluia. Amen. Batu église, on a balo bate que na boke li bango li banga. Amen. Je ne parle que de la parole de Dieu qui nous a dit que Moli Mwana ekita ki batangi sa ki ango batute. Amen. Amen. En conclusion. L'Esprit de Dieu. En ce jour de Pentecôte, Azali Wapi. Est-ce qu'en ce jour de Pentecôte, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester en nous? Si oui, quelles sont les œuvres que l'Esprit est en train de manifester en nous? Et Sengeli Moko na Moko, Amizong Sakatinaye. Si peut-être que l'Esprit de Dieu n'est pas encore passé, c'est mieux à ressaisir mon Mamoyo, à comment vous allez sensible. Lorsqu'on nous dit que, comme il attend à l'Esprit Saint, même si tu as des choses à faire, ou des rendez-vous, qu'après le culte au Salabou, ne pensez pas d'abord à ça. Soyez dans la plénitude de Dieu. Parce que tant que vous allez dans sa plénitude,
lui l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui contrôle nos pensées. Aïe, pensée, peut-être que vous allez au vent du calme, tu vas te concentrer et que tu penses à autre chose. Mais lui, nos cœurs et nos reins, à Koyeba, qui est disposé, qui est sensible, pour nous toucher, à Kobanda, pour toucher mon corps à mon corps. Et lorsqu'il touchera tout un chacun de nous, à cause de la nègre, nous allons nous faire un peu à côté de Bilem. Et lorsqu'il va laisser les Bilembo, ça ne sera plus le vieil homme ou la vieille femme, la vieille personne qui est au Yébaki et Kokoma Moutonasika. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses qui deviendront nouvelles? Peut-être la manière dont Tobandaki Kokanisa Liboso et Kozala différent. Peut-être la manière dont Tobandaki Koagir Liboso et Kozala différent. Peut-être notre façon d'être et Kozala différent. Et Kobandaki Soko dépendre de la vie sur mon côté. Mais ça commencera à dépendre de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux être dans la parole de Dieu, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Zambe azwa lukumu pona parole oyo mapesi biso. Comme tozo fete jour ya Pâques, ça nous fait du bien à comprendre qu'est-ce que la Pâques et pas de côte pardon. Pas que ça toujours na moto. Alors, il faut toyer belo ko ni tozali ko fete. Et ils ont la paix kakati que tu y es le Congo, mais tu salis les yangote. Puis tu as parole, ils ont dit tant que parole les obima. C'est pour que tu puisses saisir ce qui est bon et agréable. Tu saisis yango, mais tu dis que les kakanamite, mana yangote, mais tu salis nini, tu mettre en go en pratique. Amen. Amen. C'est ça le but des paroles de Dieu. Ceux qui osent que tu parole en pratique, c'est inutile. Même si tu as le cas à prêcher, à saliner les locaux, mon côté. Amen. Amen. Et tu saisir, tu es que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Tu Bible, le Binabiso, et que non, au commencement, la terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et tant que tu tangi awa balobi, et que l'Esprit de Dieu maintenant habite en nous. Vous ne savez pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire, cet Esprit qui mouvait sur les eaux n'est plus sur les eaux, mais il est maintenant au-dedans Kachinabiso. Aza Kachinabiso. Et comme Azaka Chinabiso, Oyazan esprit, na vous souligner quand moi quelque chose mouké, Oyazaka Chinesprit pour Oignon Soleres, nani papa Salobi déjà, na Kachin acte des apôtres, chapitre 4, Elobi Nabisonini dit 31, 24, to sauté, to komi 31 jusqu'à 34, à 33. Et l'obini. Acte 4, combien? 4, 24 au sauté, autant qu'à 24 après au sauté, autant qu'il y a 31, 32 et 33. Allez, quand on a souligné, moi, il y a mon courant. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui les as dit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. 31 lobby.
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblait. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nalingana souligné comme un élokomoko très important. Peut-être pour la cause des temps, papa peut-être a souligné en côté. Mais, et le comoko na lingana souligna ou esali très important ça que non, quand il a eu l'esprit, quand ils ont prié et le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Papa dit quoi annoncer la parole avec l'assurance. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit a zakatch na biso, comme nani aloba ke sa esprit ya timidité te. Nalinga kina kota partir ya wana mo profondeur moke, tango balobi ze esprit ya timidité te. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit a zakatch na biso, ce n'est pour ezali susuko na biso mo côté. Mais Saint-Esprit, il est là pour être tonko ka ko annoncer la parole de Dieu. Dieu nous donne son esprit pour que toi annoncer. Quoi annoncer, c'est quoi? C'est quoi évangéliser? Quoi annoncer, c'est quoi? Parce que, selon t'as dit quelque part, Bible et lobby, le même jour que le Saint-Esprit est quitté, Pierre a prêché, et combien de personnes ont baba se converti ça qui? 1000 personnes. C'est-à-dire que l'Esprit a changé quelque chose dans la vie à Moutou. Et quand le Saint-Esprit vient, il faut tout le monde avoir un mouvement. Pas seulement la coupe la langue, mais il faut aussi que ça se manifeste la manière la bisopé et à cause de la cette liberté. Liboson azala qui timide, ya moyen de samotoza balinga kayo. Liboson azala qui timide, ya koke de koloba non mon frère, pourquoi mon ami l'église te? Liboson azala qui timide, ya koko de la pona moutou. Mais que depuis le Saint-Esprit y est, et loko cette liberté kochikachinanga, je me sens maintenant capable, ya koussala nini, ya koke de quand quelqu'un a maladie, na koki ko prier. Ce n'est pas ni plus les pasteurs, ce n'est ni plus les diacres ou les évangélistes, ni les docteurs, mais tout le monde qui a l'esprit a cette maintenant liberté d'annoncer la bonne nouvelle na bato. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, pour annoncer la bonne nouvelle, il faut être comme un accord. Amen. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de division. C'est un esprit d'unité. C'est pour cela que la Bible il dit à Bisso et qu'ils étaient comme un accord. C'est-à-dire qu'ils ensemble. Ils parlaient même langue. Comme malgré qu'ils parlaient une langue différente, mais dans le Seigneur, ils ensemble. Ce qui est dit quelque part dans la 46, comme on a dit, la Bible est dit à Bisso qu'on a dit, et tant que Baba n'a qu'on demeurait dans la chambre haute, il partageait tout. Amen. Amen. C'est-à-dire, Bazala qui ensemble, l'esprit est santé pour la koya, ni qu'on divise biso, ni pour la koya, qu'on tika biso tel que nous sommes, mais le Saint-Esprit vient pour que nous tous avancions, mais à Katia, il y a l'unité. Amen. Hein? Parce que tant que le Saint-Esprit vient, à saliner, à remplir maman Rachel. Maman Rachel a coquille qu'on gagne maintenant une âme pour la gloire de Dieu. À remplir papa Blaise. Papa Blaise fait gagner une âme pour la gloire de Dieu. À remplir papa Gilles. Papa Gilles peut amener 10 000 personnes la gloire dans l'armée. Et pourquoi? C'est selon les dons que Dieu a mis en lui. Mais il nous a donné cette liberté maintenant. Ce que vous voyez bien, avant que le Saint-Esprit aille, les disciples Bazalaki même n'a pas banga ya prêcher la parole. Amen. Amen. Pourquoi? Parce
parce que Jésus est là. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne réponse. Parce que foi na bango et zalaka basé sur les dieux créateurs de, mais sur le maître qui était à côté de. Amen. Amen. Comme Jésus a sa nabisso, ton coquille qu'on fait tout. Parce qu'il y a Zawana. Maître, tu le dis toi, papa, comme la papa. Mais le jour que Jésus a accueilli, alors, va se sentir frustré. Moi, père, côté limango. Mouton va d'un côté tenir contre Batoyo, Batongo va momier. Faut que nous sommes. Amen. Amen. C'est pour cela à Yébaki. Que non, il faut que je m'en aille. Mais bien aimé, la journée à l'élo, papa Blaise a salobi déjà presque tout. La lingine a tiré attention à lui. Donc, on est comme une benga, quel que soit des noms, on est comme une benga na kachi, na moussala, na zambé, to na église, oh, na za frère en Christ, na za sœur. Mais, un jour, Dieu va nous demander, je t'ai donné mon esprit. Et qu'est-ce que tu as fait avec cet esprit? Si je demande, depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, combien de personnes nous avons amenées à Jésus? Amen. Parce que à l'oubli, les jours que le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera des choses cachées. Hein? Et vous serez mes témoins de quoi? Amen. Dieu va te demander un jour. Je t'ai donné ton, mon esprit qui habite en toi. Et cet esprit, qu'est-ce que tu as fait avec cet esprit? Amen. Il va me demander moi aussi. Qu'est-ce que tu as fait avec cet esprit? Il y a des gens qui souffrent. Ils ont besoin de l'esprit. Les mêmes jours, Pierre ne osait même pas dire mon amour tout. Jésus que vous avez tué a ressuscité. Azalaka le pouvoir, Azalaka même la capacité wanaki. Avant que le Saint-Esprit aille. C'est pour cela que ma kanga maki, ma bomba maki. Bazalaki n'a trop la coquette pour évangéliser. Parce que Bazalaki n'a combattu. Mais le jour que le Saint-Esprit y est, et transformé par l'esprit à combattre Salinini et Kim. Amen. Et Bible et lobby, Père, c'est là où le ministère de Pierre est bata. Mais nous, dans nos églises, dans souvent mille moulimes. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec cet esprit qui est à nous? Amen. 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 Ouais. Qu'est-ce que nous avons fait avec l'esprit? Nous pouvons parler la langue, c'est bien. Nous pouvons bien prêcher, c'est bien. Mais quelles sont les âmes que nous avons amenées à Dieu? C'est ça le problème. Parce que Dieu a quoi à Koutouna, c'est pour cela qu'on dit allez, faisez tout le monde. Mais avant d'aller, il faut attendre quoi? Mon esprit. Pour que cet esprit ait que de quoi convaincre là-bas. Alléluia. Amen. Que mes bien-aimés et fonds la vie sur ma canisse. Moi, vous qui êtes au Nagaraki Nagoyakoa. Toi, il va que non, parce que j'ai vu ce que vous avez l'esprit. Vous recevez Yango, mais vous allez là encore. Pourquoi il s'est acabé de douter? Combien des âmes que tu as gagné pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Et cela, et pourquoi vous allez la guider? Vous êtes au Kabiso. Zambé, à vous qui vous parlez. On va les disciples démarrer ensemble. Et ils annoncent. Même quand vous êtes au Koloba, tala balangwe masanga. Bazala ki na courage ya kolobeza masanga ki. Tolangwe molimu. Bako benga yoni bo matango kokoma na karbo ye. Wokomi koloba. Aleluya. Bande komo ya zamba lingi biso. Nani ya koko oze kachi na biso awatele managara lede. Amen. Amen. C'est son dignité qui est d'abord rangée. Pas celle de Jésus. Amen. Maman, c'est la deuxième frère. Alléluia. Oui. Na lingi vraiment tomata. Tomata. Alléluia. Message est très kitoko. Mais toi, yébe la message na sens nango. L'esprit de Dieu habite à nous. Ce n'est pas un esprit de timidité. Kolobate ke na yébe ko prêchete.
pour dire à quelqu'un que non, il y a qu'un ensemble. On a besoin de se souvenir. Quand on a bandé pour bien gavatu baya l'église, on a bandé pour les quand même les libos sauter. Nazala qui monte mes simples la kachaban. Nazala qui coûte moto et on va bandé au chakati. Mais ceux qui n'ont pas eu moto dans l'église, n'ont pas eu frère, n'ont pas la balle. Est-ce que vous voyez l'église la mission? Mais nous sommes là. Combien de personnes t'ont aussi invité à l'église? Amen. Ou inviter, ils ont un problème. Dimanche, tout le monde en est aïeté. Mais c'est pour ça qu'il y a après. Alléluia. Bible le dit. Un jour, on va retourner à la charge. Vous allez en attendre. Ils ont charge. Hein? Amen. Vous allez en attendre. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a une charge en lui d'accomplir dans sa maison. Parce que Bible le dit, cet esprit donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance. L'intelligence de diriger ta maison, de diriger ta famille, de diriger tes biens. La connaissance de la parole de Dieu et de le faire répandre dans votre ressource. C'est ça. Il faut comprendre la Bible et ça pour le banabiso. Intelligence, c'est pour toi-même. Pour avoir une intelligence, il y a qu'on se dirige, qu'on dirige, qu'on dirige, qu'on connaissance, c'est pour la parole de Dieu. Pour connaître comment je peux faire pour que Dieu puisse se réjouir la Kachinangai. Alléluia. Que à partir, il y a les lots. Tout ce qu'on a quand on parle en langue. Mais, tout qui est au-delà de parler en langue. Amen. Hein? Amen. Tout qui est au-delà même, il y a celui qui habite en nous. Et, ce qui est au-delà, parce qu'il est avec toi. Là, on pense à moi, des filles qui sont là. Un jour, maman m'a dit, elle a dit, ah, nani, papa John, yo, yo, kakaka, ko invita, kaba, tounyo, so, menga, ko invita, kanga, ite, pour, kwa, nga, le, mok, kwa, mou, zana, ele, bienveni, a, wè, na, la, j'ai, please. Cette maman, elle a dit, nanga, mais, avant, na, ya, il faut, nan, le, kanan, nanda. Amen. Na fanditi na tonye. Ah. Eloko nini ngai na kokende kosala na ndako na hii. Tango na komi Bible na nye alobino na zana peze dans un premier temps. Tobanda kosangana. Oko kako exotenga. Siko tango na kei na prepare loko te. Amen. Amen. Ya, balobi na ngai kendo avana efo ya na ndako. Si tu es sur l'eau là, tout ça, tu es bon, tu mets la canine, tu es la canine. Mais, sur place, alors bien, ce que vous avez la parole, tu es pour Nanda. Alors, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, amen. Papa, 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 agira. Quel que soit le problème que tu as, tu vas agir. Mais bien aimé, na fongole parole wana, na bandi kote ya mamama wana, et na suka ya parole wana, mamwa na atangisi mai na miso alobi, mwani denge na zao. Na za na problème na bana na kama. Alléluia. Amen. Mwana na ngali mousa, ni miko yokate, si 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 la. Me wakambo lomi. Isalo kola, na yebi sakyo izole kanan. Ça c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais tant qu'avant le babongo, nous allons le coller à Pierre, la cache à chambre haute, nous allons pas entendre le babongo. Oh, quand on met ça, on a déjà la matière au babongo, il y a pour préparer la table. C'est pour cela que comment on goûte dimanche, nous sommes sur carré naïe, na butu, na bonde, le papa, papa, na comme le verset biblique, benzabe yomo kolomba musus. Amen. Que Dieu nous aide, ça c'est une petite témoignage. On a voulu que ça puisse que non. Dieu veut que nous puissions amener. Le but que nous avons attendu là que les disciples le Saint-Esprit, c'est pour que nous sommes comme on a dit, et à la panza, dans mon kili, mon dîme. Amen. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à évangéliser. C'est à partir de là que le christianisme a commencé. C'est à partir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et moko na moko azwa defina ye.
Dans les jours de Saint-Esprit, la ligne n'a pas de ce coco, pas de la gêne. Gloire à Dieu.